Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo démonstration de Risky Business. C'est un tour que vous allez adorer, j'en suis sûr. Vous avez deux petites plaques de plexiglas qui sont rejointes par une charnière. Vous avez six petites clés, un cadenas avec la clé qui l'ouvre ici. Et imaginons un billet de 10 000 euros. Bon, ça n'existe pas, je le conçois. Mais imaginez quand même que ce soit 10 000 euros. On va mettre à l'intérieur. Hop. Et on va venir fermer. Clac, clac, clac. Voilà, le petit cadenas. Donc on est d'accord que ce cadenas ne s'ouvre qu'avec cette clé, et c'est très important. Les autres clés, on ne va pas faire la démonstration évidemment, ouh là, que je la laisse là, que je ne la perde pas, mais les autres clés ne peuvent pas ouvrir vraiment le cadenas. Les spectateurs peuvent essayer. Voilà le pari. Vous allez prendre les clés, vous allez mettre la clé qui ouvre le cadenas avec les clés qui ferment. Enfin, avec les clés qui n'ouvrent pas plutôt, n'importe quoi. Hop, 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 hop. Ok, vous avez 6 spectateurs qui viennent sur scène ou qui sont en close-up et chacun va prendre une clé au hasard. Hein. Tiens, vous voulez celle-là, monsieur, celle-là et celle-là. D'ailleurs, on va même le faire au hasard parce que vous allez croire que je triche. Je vais mélanger les clés dans la main et je vais en sortir une que je vais garder pour moi. Hop, sans garder, voilà. Et donc là, c'est 6 clés que je donne aux spectateurs. Donc les 6 spectateurs ont chacun une clé. Que faire? On va prendre le petit cadenas, on va essayer la première. Hop, la première clé, si j'arrive à la rentrer, voilà, ne tourne pas. Donc monsieur, vous ne gagnez pas les 10 000 euros. Deuxième spectateur, n'ouvre pas. Monsieur, vous ne gagnez pas les 10 000 euros. Attention, hein. Troisième spectateur, non, peut-être que l'ordre des clés a une importance, peut-être monsieur, le dernier spectateur, n'ouvre pas. Et je vraiment, les spectateurs peuvent essayer eux-mêmes, hein. C'est pas le magicien qui doit, n'ouvre pas. Et le dernier, peut-être que monsieur a de la chance, n'ouvre complètement pas. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment bloqué. Ce qui est très intéressant, c'est quand on prend la clé du magicien, qu'on prend la clé, on a juste à... Hop ! Et là, évidemment, ça ouvre complètement, et c'est le magicien qui gagne le papier avec écrit 10 000 euros dessus. Donc, vous avez compris que, en fait, vous allez pouvoir définir qui va gagner et qui va perdre. Vous n'êtes pas obligé de faire gagner le magicien à chaque fois. Vous pouvez prédire le spectateur qui va avoir la clé qui ouvre et avoir 7 spectateurs sur scène. Bref, l'idée qui est vraiment intéressante avec ce produit, c'est que le cadenas truqué fait tout le travail pour vous et que vous avez juste à vous concentrer sur votre présentation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les plaques en plexiglas, même si elles aident un petit peu à la méthode. Elles ne sont pas indispensables. Vous pouvez très bien réfléchir à une autre façon de préparer ou sur quoi mettre le cadenas. Mais voilà. Et vous avez évidemment la vidéo explicative disponible sur votre compte client dès l'achat de ce produit. Bonne magie à tous et à bientôt chez Magic Dream.